son agenda automne-hiver est bien chargé. Guillaume Canet va entamer le tournage de La Belle Époque, de Nicolas Bedos, avec Doria Tillier, Fanny Ardant et Daniel Auteuil, enchaîné avec un drame paysan d'Édouard Bergeon, Au nom de la terre, tout en achevant le montage de Nous finirons ensemble, la suite très attendue des Petits Mouchoirs, en salle le 27 mars. Sans oublier les sorties de deux comédies avec son pote Gilles Lelouch qui, chacune à sa façon, exalte l'écorce d'improbables nageurs synchronisés dans Grand Bain, ceux d'acteurs porno libres et insouciants dans L'amour est une fête, où il incarne un flic infiltré qui s'épanouit dans le milieu du X. L'occasion d'un entretien très thématique. Avez-vous hésité à accepter ce projet qui peut paraître scabreux aujourd'hui? Pas une seconde. J'ai une entière confiance en Cédric Anger, qui m'a offert un de mes plus beaux rôles tueurs en série dans La prochaine fois je viserai le cœur. C'est sa force de se saisir d'un sujet difficile pour en faire quelque chose d'humain et tout sauf glauque, avec des personnages attachants à l'image de l'époque qu'il décrit, le tout au début des années 1980. D'anciens hardeurs jouent dans le film, comme Alban Serret et Marilyn Jess. Ils nous racontaient que leur tournage était festif, presque familial. Ils disaient faire des histoires d'amour, pas du porno. C'est cette ambiance que Cédric a voulu reproduire. C'était avant l'avènement de la vidéo et des films plus trash tournés à la chaîne. Point. Aviez-vous des films ou des actrices préférées? Sans être un fan absolu, je crois que j'aimais bien Tracy Lord. J'ai découvert les films plus anciens Emmanuel, Gorge profonde. Je ne me souviens pas de tous les titres, ce n'était pas le plus intéressant. Il y en avait de très rigolos Blanche Fesse et Les Sept Mains, Goldfinger. J'en ai inventé moi aussi Érection Municipale, Tourne ton cul que je marque un but. Mais ce n'est pas aller plus loin, je n'ai jamais songé à écrire ou réaliser un porno.